أزوج لون أسوفي سونو لا يكون وين تشبحتي تخدمم يتخدي لي تكون ويد يوسان السينيور تان ميرت et la présidente, la coordinatrice de la coordination du MAC France, Nassa Kahina, Yak Louis Berlinus, le Kurdishin, Emil, Machid Wid, Ivran Nitwal de Gouaman, Louis Itsnaron, Khas, il a le Covid, Khas, il a Watan, Khas, il a Youtuk Fourna d'Edfil, Kunwin, Yedis, Nukuniak, أقلار دا جينيكات إوا كنا تنيني إوا إذا يتناغن دو قنار باللي أمن نغن ون يجهد ون كوني صوت نون أثن سيوا رمضان أكن نيلا بغاد دا مسلي غسام غاف إمحبس النغ لان ثلاثة إمحبس ياسين مباركي Jamal Azaïm et bien sûr Léonas Hamzi. Même le Comité national pour la libération des détenus où se sera de la liste comme des détenus d'opinion. Ce ne sont pas des Algériens. Oui, ce sont des Kabyles. Mais qu'on nous accorde ce statut. D'achou, ils sont en Algérie, prisonniers en Algérie. Donc, ce sont des détenus d'opinion. S'ils ne sont pas des détenus d'opinion, il faut qu'ils disent que ce sont des prisonniers de guerre. Et dans cette guerre, il faut que l'Algérie assume une guerre unilatérale. La Kabylie n'a pas pris les armes contre l'Algérie. Léonas Hamzi est un homme pacifique. Dwini Tsurban, le Mist Familt, Ami Mardassin, Halkumakwis, Amakit Lamak Dagini, Dwini Tsurban, Dwini Sand, Karainsin, Fichiwin, Knan, Belir, Womenin, Dakin, Simonent, Ismur Takdailis, Iwara Fakdailim, Halayan, Iglan, Tsifrat. يثمر تقبيلي ثوالام الزيرك السوسم غاف إما غنسن لماك مالا تواوثن نغ مالا تواجرحن نغ مالا تناويد الحبس سي دو راسيزم انتي كابيل او ميم طون كره القبايل مي او ميم طون اذا قرات في غندير الجزائر علاش العقله كينيكا Et quant à la police algérienne, comment elle fait? Ce sont les responsables politiques qui donnent l'ordre d'arrêter des gens. La police arrête. Elle les donne à la justice. La justice n'a aucun dossier, n'a aucune preuve. Eh bien, la justice avec la police vont essayer de fabriquer des preuves. Léonas Hamzi, quand il a été arrêté, il n'y avait ni mandat d'arrêt, ni mandat d'amener, ni instruction ouverte quelque part. Et ce n'est qu'une fois qu'il est mis sous dépôt qu'on a été enquêté pour savoir s'il y a des preuves contre Léonas Hamzi. Et on va dire que ce n'est pas un détenu d'opinion. غضني يمي مغنسن يروحنا الحبس القليعة من ديلا يومين يقني كاتو الطيسنارا سرانجون الزات السبيطار يوكن دا ديفا دو كسيرم يوكن دا ديفا تبون نظراتك نيكون ماريونيت تمسخر فلاس سو تمسخر تمسخر فلاس يتمسخر فيا إنك باللي قد نسرحي محباس نتسرتيف يسرح ديك الآن نفرح سوي ذاك ومي تسرحي نسرم قد كملنا كويت ويا اللان دي الماك دا ماشي دي الماك نكني دوي دي تدفعان
يسحب يبيرن غاف يزرفن بمدانة كالملان ونسو غادا رد فير دقايا داشو سوفان ديوثن تكوبيشت ولا ملا تكنيكا مكي خدمان هذا وين غاشي الحباس ما رسلي تزرحن نهنيك بنشيع ما خطر تسرح ناس بيد ها؟ سوناك لا سوفرانس توشولين لي فامي لا سوسيتي لي زورغانيزاسيون تيجي من الخيط مرة تسوت داش ما رسلي نفرح كان نكوني تيخدمان نون تبون ما ريان في لا ليست ايتي فيت ايور Il n'a donné aucune instruction. Ce sont les autres qui lui ont donné l'instruction de dire ça. Et il l'a dit. La Ligue algérienne des droits de l'homme refuse de parler des militants du MAC. L'Observatoire national des droits de l'homme refuse de parler des militants du MAC. Amnesty International, ce sont des vendus au pouvoir algérien, refuse de parler. Des prisonniers d'opinion qui militent dans les rangs du MAC. Si ce n'est pas du racisme anti-kabyle, je voudrais bien qu'on m'explique quelle est l'autre signification de ce silence. Toutefois, il faut rendre hommage à ceux qui ne sont pas du MAC et qui soutiennent Mordicus. Le statut de détenu politique pour les militants du MAC. Je commence par Bachir de Raïs. On l'applaudit. J'ajoute Mziane Abdan. On l'applaudit. Il y a des députés et des cadres politiques de Vgaïev qui ont pris position. Bob Benadjian. Il y a Khalta Zahar, il y a Mansour Mazouz, Atman Mazouz. Et il y a, en dehors de la Kabylie, il y a une femme. Il n'est pas de nos rangs, elle ne combat politiquement, mais je lui tire chapeau de reconnaître le statut détenu d'opinion pour les militants du MAC. C'est Amira Bouraoui. Mais où est le FFS? Où est le RCD? Où est la classe politique? C'est une honte. Et demain, ils vont demander que nous voyons pour que nous votions pour eux. Toute cette opération, en fait, de libération des détenus, n'est que de la poudre aux yeux pour les échéances électorales à venir. Une fois les élections passées, ils vont les remettre en prison. Ceux qui seront à portée de leurs mains, ils vont de nouveau les mettre en prison. Et dans toute cette opération, c'est l'enjeu essentiel, c'est la Kabylie. Le FFS qui est reçu à la présidence, c'est comment faire participer la Kabylie. Eh bien, la Kabylie ne votera pas. Elle ne laissera personne voter à sa place. Et ce qui est en train de se jouer actuellement, à Edmonton, le FFS, est allé négocier un quota de députés. Honte. Et toute la classe politique est en train de le faire. En Algérie, il n'y a pas d'opposition. Il y a des souteneurs du régime qui se font passer pour de l'opposition. Ils sont là juste pour recevoir un peu de biette, quelques postes de députés, quelques postes de à la PUI, quelques municipalités, et l'affaire est entendue. Ce sont des carriéristes, ils ne se battent pour aucune cause, ils n'ont aucune valeur, ils ne font
travailler que pour leur poche individuellement. C'est des mafias qui sont dans les partis politiques algériens, dans l'opposition algérienne, au même titre que la mafia militaire qui squatte l'État en général. Et nous voyons que Tebboune ne vaut rien par le fait que, sincèrement, il m'a fait pitié quand je l'ai vu parler. Hein. Je vous donne ma parole d'honneur qu'il m'a fait pitié. Les choses se passent ailleurs. Et il est innocent dans tout cela, on dirait même qu'il est otage. Il est otage du régime au même titre que nos militants sont otages dans les prisons. Il a annoncé que dans les 24 heures, 48 heures, un nouveau gouvernement sera formé. On l'attend encore. Cela veut dire que les luttes au sommet de la mafia militaro-politique font rage. Ça veut dire qu'ils ne se sont entendus sur rien et probable qu'ils en viennent aux armes entre eux. J'espère d'ailleurs qu'ils s'exterminent entre eux. Je suis venu pour dire à la famille des prisonniers, à la famille de Louness, je ne voudrais pas vous faire nourrir de faux espoirs de libération de Louness. Il n'a rien fait qui puisse le faire condamner. Son arrestation, ce n'est pas pour un crime, c'est par décision politique. Donc sa libération ne sera pas prononcée réellement par un tribunal, mais par une décision politique. Qu'on n'attende rien si on n'arrache pas par la rue. C'est pour ça que j'appelle la Kabylie. J'appelle tous les Kabyles à organiser des manifestations pour la libération de nos détenus. Débrouillez-vous sur le terrain. Il faut qu'on bouge. Il faut que les villes soient bloquées. Il faut que les gens descendent dans les rues pour libérer nos militants qui sont les otages d'une politique raciste envers la Kabylie. Aussi, à notre niveau, nous ne manquerons pas une seule occasion d'appeler les instances internationales à intervenir. Je sais que sur place, nous ne pouvons pas compter sur la Ligue des droits de l'homme et Amnesty International, mais à l'échelle internationale, nous pouvons faire bouger les choses et nous le faisons à travers ces rassemblements, ainsi que les rencontres diplomatiques que nous faisons, les sensibilisations et les lettres, les messages et les lettres que nous envoyons à toutes les organisations humanitaires et surtout décisionnelles à l'échelle internationale. Nous ne lâcherons rien. Et il y a sur le terrain, je tiens à le dénoncer, ceux qui travaillent à saper le moral des gens, à faire peur aux militants. Je vais vous dire, les militants du MAC, et oui, les Kathens, un militant du MAC, il a des convictions, il a même foi en la justesse de son combat. Oui, Vive la Kabylie libre et indépendante.
ومنه هذه كمة جان تلمي كافرة 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 كافرة.